Namasté, bienvenue au NAN. Ici, tu es une superstar, je ne sais pas si tu le sais. Répète-le-moi encore. Tu es very famous. Tu es very famous. Est-ce que tu veux m'épouser? C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Madame l'ambassadrice, ça vous manque un peu la France? Pas du tout. Ici, je sais pas, je me sens proche de la Terre, proche des astres, proche du cosmos. Vous moquez de moi? Oui, je me moque de vous, évidemment. Vous partez en voyage? Sur le chemin de la fertilité. Le chemin de la fertilité? Oui. Et ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour? Ah bah non. Ah oui. Et votre mal de tête, il en est où? Il est là, il vous entend. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai choisi l'option médecine de l'âme. C'est fou de se retrouver là comme ça, hein. Bon, allez, voilà. C'est un livre qui est plus une expérience, finalement, sur l'altruisme et le vivre ensemble. Je parle pas du tout. Si, c'est un petit peu... J'ai pas de cheveux sur la langue. Alors on y va, on le fait. Ok. J'ai l'air d'y croire à ces conneries. Franchement, vous êtes venu pour moi ou pour votre mal de tête? L'eau du Gange ne contient plus d'oxygène. Le taux de bactéries poliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau, putain. Stop. En revanche, on peut la boire. Bon? Elle est potable. Non. Bah, non, Anna. Non, mais je sais pas. Je crois tout ce que vous dites, je suis une idiote. Vous ne trouvez pas qu'on en fait un peu trop, là? Et j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Ce que vous venez de faire, c'est hyper sexy. J'ai encore plus envie de vous. Vous savez ce qu'ils disent, les Indiens? Ce qui compte dans cette vie, c'est de préparer la prochaine.